bienvenue sur la chaîne GN Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Action, Rose et Carrefour. No. Donc, je vais commencer par Carrefour, par contre. Parce que Carrefour, c'est des pop et des chocolates pack. Voilà. Donc, il y avait une promo à Carrefour. Vous prenez un chocolat. La pop, vous revenez à 5,99€ parmi des pop... lot de pop sélectionné quoi, le lot voilà. Donc voilà, donc je pense que du coup j'ai pris des chocobons, j'avais pris un autre chocolat que j'ai déjà mangé, des Kinder, et voilà. Et du coup ça c'était 3,59€ par exemple je crois. Et donc voilà, donc je vais vous faire voir la Lilo et Stitch que je n'avais pas, celle-ci, voilà. Je vais vous mettre mieux. Voilà. Celle-ci, c'est la 1047. C'est Lilo Weave Pudge. J'avais Lilo Weave Scrub, donc avec Souillon. J'avais Stitch avec le ukulélé, mais du coup, je l'avais pas celle-là. Donc, j'ai trouvé sympa. La 1047. Voilà, était sympa. Une nouvelle petite Lilo. Voilà, la boîte était nickel, donc voilà. Alors, je la remette. Ensuite, donc avec un autre chocolat. Bon, je vais mettre ça derrière en attendant. Avec un autre chocolat, j'ai pris Ratatouille, donc ça revenait à 5,99€ la pop. Au lieu de 14,99€, donc ça faisait 9€. 9€ d'économie, je crois. Voilà. Donc, Rémi de Ratatouille. C'est la 270, la série 10. Je ne l'avais pas. Je n'avais pas aimé le Ratatouille. Et j'adore Ratatouille comme... J'adore l'attraction de la Disney... Au Disney Studio. Et j'adore Ratatouille. Donc ça tombe très très bien. Je vais le mettre là. Comme ça, je sais que ça. Il sera protégé. Et j'ai pris une autre à 5,99€. La Mini. Donc c'est Mickey and Friends, c'est la 1188. Donc du coup j'ai que Minnie. J'aurais bien voulu avoir Mickey mais il n'y avait pas. Et bah, je suis contente quand même. Donc la petite Minnie, normalement elle a un socle. Mais alors là j'ai pas réussi à l'enlever, alors voilà. Et hop, la petite Minnie, trop mignonne en pop. Donc voilà, ça complète un peu ma collection de pop. Donc du coup voilà. Ça, c'était pour Carrefour. Maintenant, on passe à Action. À Action. J'en ai pris de l'eau. Ils sont à 1,59€, il me semble, ou moins de 2€. Des cintres comme ça, il y en a 10 dedans. C'est ça. Et voilà, ils sont pivotants, donc ils sont très très bien. Accrocher mes robes, c'est parfait. Ensuite, ce qui n'est pas scrap encore. J'ai trouvé, ça c'était la semaine de la promo, à 9,99€. Je les ai trouvés super sympas. Donc je me les suis pris en noir. Voilà. Donc elles sont un peu, allez, hop, pas élastiques, mais voilà. Vous voyez, elles sont bien derrière. C'est de la taille 37 que j'ai pris, voilà. Avec une grosse semelle blanche, comme ça. Je me suis dit, pour l'été, ou même ça tombe quand il fait pas trop froid encore. Et je les ai pris en rose comme ça. Voilà. En plus, pour aller avec mon haut aujourd'hui, ça aurait pu très bien aller. Et mon pantalon vert. Donc, elles sont cool. 9,99€, c'est des sneakers. De toute façon, c'est tout ce que j'adore porter, quoi. Des baskets. C'est rare de me voir en talons. Déjà, les talons roux, c'est même pas la peine. Mais même les bottines, pas trop. En ce qui n'est pas scrap encore, et ce qui n'est pas pour le scrap, j'ai pris des mouchoirs. J'en ai pris deux boîtes, on en a déjà eu, commencé à utiliser celle-là, l'autre aussi. Je ne sais plus combien, 99 centimes je crois qu'ils sont. Ils sont pas chers à l'action, les Kleenex. Comme ça, ils sont très bien, très très bien. Ensuite, j'ai pris du shampoing. Le petit marseillais infusion anti-pelliculaire.
cheveux et cuir chevelu, huile essentielle et cédra bio. Donc, je sais pas, faut que je le sente. Ouais, j'adore l'odeur. Moi, l'odeur du citron, j'en bourrerais. Voilà. Ce qui est pas scrap, mais qui peut me servir pour le scrap, ça. Donc, il y en avait 250 dedans. Donc, moi, je me suis dit, j'ai eu, vous verrez dans une... des magazines de scrap, vous verrez dans une autre vidéo. Et du coup, je me dis, pour les passions scrapbooking, même si c'est des anciens, mais je me suis dit, pour voir un peu la page que je veux garder et que je veux faire ce tuto-là, ou voilà, essayer de m'entraîner, je trouvais que ça pouvait être pas mal. Donc j'ai pris ça. Ça, c'était 88 centimes ou un truc comme ça. Vraiment pas cher. Donc, tip top. Ce qui est pas scrap, mais ce qui va servir pour le pour mettre un pastel que je vous ferai voir plus tard. Ceci. Voilà. Donc ça, c'était 3 euros quelque chose. 3,59€. D'accord. Il est pas... il est pas, comment dire... Il est pas il est un peu en plastique, mais bon, on s'en fiche. C'est vraiment pour mettre mon pastel. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces toiles-là, je sais plus, elles étaient en promo la semaine d'avant, mais j'ai oublié de les prendre, donc du coup, bah, je les ai pris quand même, 1,98€ ou 2€, je sais plus. Donc voilà. Et elles font, il y en a 3 dedans, elles font 24x30, elles font 290 grammes, elles sont 100% coton, et voilà, c'est très bien. Pour le scrap, pour le dessin, quand j'ai envie d'être ici, c'est parfait. Ensuite, j'ai pris cette plaque Real Marbre. Ça, je me suis dit, pour les cachets de cire, peut-être. À voir. Oh, sinon, c'est joli en déco aussi, en blanc, comme ça, c'est joli. Donc, voilà, ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Je n'ai que trouvé celui-ci, donc il me manquera la libellule. Et je suis contente, déjà, j'ai le scarabée. Il est très, très beau. Que je l'ouvre, mais je sais pas où j'ai mis mon petit ciseau. Ah bah, attendez, on va peut-être réussir à l'ouvrir. Ah non, c'est du sur-papier plus du sur-papier. Oh là là. Des emballages plus des emballages plus des emballages. Oh, j'y arriverai pas, mais voilà, vous voyez, il est super beau. Hein. Puis les copines l'ont fait voir, donc les scrap copines elles l'ont fait voir. Ensuite, j'ai pris ce DIY parce que je le trouvais trop beau. C'est pour faire le rainbow. L'arc-en-ciel. Je me suis dit, bah pourquoi pas pour le printemps. Ça peut être mignon. Ensuite. J'ai pris ces enveloppes-là. En ce qui est pas scrap, j'ai oublié de vous faire voir. J'ai pris un petit Harry Potter comme ça. Il y a ça en ce moment. Ça, c'était 2,29€ peut-être. Voilà. J'ai pris Harry Potter sur son balai. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc là, c'est des couleurs un peu pêchues, mais c'est ce que je voulais. J'ai les autres en bleu encore. J'ai l'autre aussi kit de l'année dernière. Mais là, vraiment, c'est des couleurs vraiment pêchues avec le jaune et tout. Donc, ça, c'est tip top. Et ça, c'est 1,59€, il me semble. 1,99€, peut-être. Alors, est-ce que je peux vous faire voir les couleurs? Voilà. Donc, il y a les enveloppes. Et il y a... il y a les cartes. Il y a les enveloppes. Voilà. Et voilà, on voit à peu près les couleurs qu'il peut y avoir. Je trouvais ça péchu, donc j'aimais bien. Ensuite, j'ai pris cette corde-là. Je vous avais dit que j'avais pris celle-là l'autre fois. Ben là, j'ai pris celle-là, en blanc. Il n'y a plus de place là-dessus. Ensuite, j'ai craqué pour ces petites perles-là. Voilà, les petites perles fleurs, cerisier. Qui
peu fleurs. Ouais. J'ai trouvé belle. Donc voilà, pour mettre dans mes boîtes. J'ai craqué bah, pour cet été, pas pour tout de suite, mais pour les petites pastèques aussi. Et qui disent qu'il y en a 30 grammes. Ça, je sais plus, 99 centimes ou moins, je sais plus. J'ai craqué pour les petits boutons au cœur. Voilà, j'ai trouvé trop beau. Faire un album, une carte, voilà. J'ai trouvé vraiment trop trop beau. Pour moi, pour l'instant, il n'y avait pas les fleurs hein, dans le mien. Mais ceux-là, ils sont trop beaux. Franchement, tip top. On mettra dans un truc. Ensuite, j'ai craqué pour ces perles-là. Dans les tons violets. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'aime le violet. Ouais. Je ne l'explique pas. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour ceci. Donc, c'est des trucs là. Des cure-pipes, c'est ça que ça s'appelle. Voilà. Des cure-pipes, il y en a plein de couleurs. Voilà, je vous fais voir à peu près les couleurs. Donc, ça peut être sympa. Du fil à chenille, voilà. Ensuite, pour finir, j'avais dit plus trop de blocs, mais le Home Sweet Home, j'ai vu un tuto de AMB Créa et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé son tuto, donc les feuilles, franchement, il est trop beau. Dans les couleurs un peu neutres comme ça, un peu bleu. Il est trop beau. Même les petites étiquettes là, elles sont trop mignonnes, je pouvais pas craquer. Vraiment, il est trop beau. Même ça là, les petites maisons, tout ça. J'ai vraiment bien aimé les roses. Bon, je vous le fais vite fait parce que je pense que vous l'avez déjà vu. Hein. Voilà, hop, on voit quand même là. Hop, hop, oh, les oiseaux magnifiques, magnifiques oiseaux. Et même les couleurs sont très douces. Donc j'aime bien en fait. Voilà, voilà, et puis là on revient comme avant. Voilà. Donc j'ai craqué pour le Home Sweet Home Design Pad. Il y en a 24 feuilles, 2x24 design. Et comme d'habitude, il fait 250 grammes. Voilà. Et j'ai craqué pour le Over the Rainbow. Alors celui-là, vous l'avez dû le voir aussi. Mais il est tellement beau aussi. Dans les couleurs un peu plus pêchues. Mais alors j'adore. Des étiquettes encore. Ils sont vraiment beaux leurs blocs. Il n'y a pas à dire, ils nous font craquer. Allez, hop. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà, avec les étiquettes marquées, la vie est belle. Il est trop beau au niveau des couleurs. Il est pêchu, mais j'aime bien. Donc voilà, je vous le fais voir vite fait comme ça. Hop. Mais c'est tout pour Action. C'est tout pour Action. Alors n'hésitez pas à me dire vous ce que vous trouvez dans votre Carrefour et dans votre Action. Moi je trouvais que c'était quand même des petites pépites. Les chaussures, bah oui, ça va faire du bien pour l'été. Voilà. À liker cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. À cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!